Salut à tous, c'est Seba Gaming, on se retrouve pour l'épisode 4 de notre histoire sur Hut in Town. Et oui, je reprends enfin, je suis en vacances, tout ça, donc on va pas tarder là-dessus. Let's go! Alors on est arrivé dans une mine, je ne sais pas du tout où on était actuellement, faut juste essayer de chercher après quelque chose. On va examiner un peu tout ça. On va prendre ça. Qu'est-ce que c'est? Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais même pas ce que c'est. Wow. Symbole mystique. C'est quoi ça? Symbole mystique. D'étranges symboles peints sur le mur de la... Leur signification n'est pas claire. C'est bizarre. Ce lieu est historique. Oh, comme à Lascaux. Ça doit remonter aux Indiens, non? Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la déco, non? Non, 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 c'est une sorte de sanctuaire ou un truc du genre. Un sanctuaire de quoi? Intéressant. Alors, ah, il y a peut-être encore quelque chose avec les bougies. Non? Ok, c'est peut-être autre truc qu'on a regardé. Sinon, je vois rien d'autre qui pourrait nous aider. Ah ouais, c'est vrai. Donc, on va juste essayer de regarder si on peut pas prendre ça. Je suis en train de jouer avec en vrai. En vrai, je pense pas qu'on peut le prendre. Enfin bon, c'est pas grave. On continue. Le mec. Tu vas bien? Oui. C'est pas passé loin. Ouais. Tu m'étonnes. Je pense pas que cet endroit soit aux normes. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. Allez. Partons de cet endroit bizarre. Je n'aime pas du tout cet endroit, moi en plus. Ouais, mais... Ah ouais, j'allais dire, je pouvais pas entrer. Enfin, une petite lueur d'espoir. T'appelles ça une lueur d'espoir? Je préfère rester dans la grotte, hein. Bon. On doit aller par là, j'imagine. Ok. Faudrait m'apprendre à bien me déplacer. Bon, on t'avance? Ah bah voilà, merci. En même temps, ils ont froid. Hein. Eh bien, quand Josh a dit cabane, j'ai pensé Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage? Quoi, tu veux grimper sur mon palmier? Ok, garde-en pour plus tard, mon grand. Oh, un télescope! Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cape. Waouh. Ça va? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Okay. Voyons voir. Voyons ça. Ouh la vache. Bon, on va pas bien. Ce serait ça? Est-ce que je vois rien d'autre? À part un ventilo, je vois rien. Bah non, je vois rien du tout.
vois rien du tout. T'as bu trop de lait de poule ou quoi? Y'a que nous par ici. Ouais, t'as raison. On est d'accord, on ne voit rien. Donc allez. C'est quoi ça? Hey Jess? Mm-hmm. Reste près de moi, ok? Pourquoi? Ben, ce panneau dit que des ours bruns rôdent parfois par ici. Le carnivore légendaire, ce prédateur. Michael, puissant, je viens d'avoir une idée géniale. Il est connu pour attaquer les élans, allons les caribous et tout un ours. Des traces qu'elle croise sur plaît, son allez, chemin. Quoi? Alberta, la chasse à la traque est longue. Mais t'es pas bien, on va pas faire de câlin à un ours. Posé sur une terre privée, vous serez heureux de savoir que le monde de l'eau est bien maîtrisé ici, à Black Pines. Ouais, ils sont en train de nous décrire en fait. Je vois. Allez, on va par où? Par là? Il y a une lumière là-bas. Mais tu me laisses aller, oui. Ah voilà. Et on avait par où du coup? Par là? Ah. Ok. Allons-y. J'allais déjà en arrière. T'as changement de plan. Et quelle est cette musique? Attention à toi, la vache. Cervelle d'oiseau. Oh mon dieu. Attendez deux secondes. Hop. Hop. Merveilleux. J'ai un chronomètre à côté de moi hein, pour délimiter un petit peu le temps. Que je limite à 30 minutes. Hein. Alors, va-t-on être drôle? Va-t-on être un meunier? Des rats avec des ailes. J'étais juste en train de... Quoi? Bon allez, on va détendre l'atmosphère. Je jouais le jeu, c'est la saison des amours. Waouh, coquin. Ouais, je suis comme ça, j'aime donner. J'ai eu peur. On va détendre l'atmosphère. Bon, par contre, ça c'est pas très joli non plus à voir. Un vieux pont tout déglingué là. Oh, bon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment? Quoi? Je pensais pas que t'étais genre verre à moitié vide. T'as une meilleure idée? Recule, sale pessimiste. Ah, bouh, frimeuse. Hé, hey, Mike, je crois que t'as quelque chose sur la figure. Ah. Boum. Ok. Ok. Bon, si c'est ça que tu veux. Jess. Oula. Jess. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. C'est vrai qu'avec de l'eau froide, c'est pas terrible. Sauf en été, ça c'est pas mal. Waouh. C'était quoi ça?
Je suis totalement d'accord. Par contre, je pense qu'il est en bas. C'est où? C'est là? Sûrement par là. Oui. Je me souviens du petit couloir. Ah, ouais, ici, ici. Voilà, merci. Ok, parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigogue de folie, on a... Alors moi j'arrive en retard là. Un quoi? C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Je te dis que si, mec, on le faisait tout le temps. Enfin, moi... Hey Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non? Ouais, je vais allumer la chaudière, elle est au sous-sol. Bon alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris? Ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Ouais. Si tu veux. Bien, tu le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade? Allez, allons nous balader. Ah ouais, mais on y va avec lui. Oh non. En plus, les sous-sols et tout, c'est terrible. Ah, ça va, c'est toujours mieux que la mine. Allons-y. Hey, t'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Ash en mission tous les deux? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Que dire? Elle sait plus quoi dire. Elle est en train de bugger. Oh, allez. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Allons-y, suivons-le. Tu sais, Sam. Oui, Josh. Je voulais seulement me dire que... Quoi? Tu chies dans mon froc. Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année, et puis que... toi, tu sois là, Sam. Dans la bonne humeur. Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe comment et quand, on va tous surmonter ça ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Sans blague. Bon, allez. Oh non, on descend encore. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Ils sont du même avec moi. Tiens, tu peux tenir ça? De quoi tu parles? Éclaire par ici que je puisse voir ce que je fais. Mon Dieu, c'est stressant. Joli. Ok, pour commencer, augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière.
ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Tourne le bouton. Ah, et merde. T'inquiète pas, c'est... Essaie encore. Oh là là. C'était quoi ça? Ça, ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Oh, arrête. Je fais mon Josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Jouer un tour. Non, on n'est pas là pour faire de blagues, on est là pour que tout se passe bien. Parce qu'on n'est pas très mal ici. Non, j'ai pas eu peur. Non, bien sûr. T'as seulement sauté pour faire quelques pas d'aérobic. Il me semble là. Ah ouais, d'accord. T'es trop en train de flipper toi aussi. Quoi? Arrête, t'es blanc comme un linge. Mais non, allez, je suis resté ici assez longtemps. Cet endroit fait toutes sortes de bruits. C'est un vieux chalet. Et bah, parfois ça craque. Exactement. Mais attends, t'as entendu comme moi là? Josh. Quoi? Le rythme est étrangement régulier. C'est... Non, c'est pas du tout régulier. Oui, je vais jeter un œil. T'inquiète. On, oui, tous ensemble. Peut-être qu'on devrait jeter un œil. Pourquoi? Je sais pas, et si c'était un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. Allez. Alors, on regarde bien le truc. Et on se dit. Ça doit être chaud. Alors, on va y aller doucement. On va pas trop se précipiter. On va être calme. On va tout faire pour que tout se passe bien. Alors, qu'est-ce que. Putain! Allez. Pourquoi ces portes sont fermées? C'est seulement pour éloigner les intrus. Hey. Quoi? Hey. Mais c'est quoi? Vous êtes fait à voir. Oh mon Dieu. Bien joué, celle-là était bien. Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'ai c'est vrai, c'est vrai. De la situation. Non mais, tu déconnes là. Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, mais j'aurais aimé. C'était trop fort. Je veux bien admettre. On dirait un peu un moine, le gars. Avec peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, j'ai rien dit sur tes blagues. J'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah putain, t'étais terrorisé, allez, admets-le. Alors là, pas du tout. Mytho, tu t'es complètement pissé dessus. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes? J'ai trouvé ma vocation. Je l'avais prédit. Je l'avais prédit. D'accord. Et t'as trouvé le bidule? Brion. Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi? Non,
Non, non, non, j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair. Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Hmm. Ok, alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Ok. Allô, je te parle, Matt. Viens avec moi chercher mon sac. Ouais, j'arrive. Ouh, c'est quoi ça? Totem du conseil. Donc c'est quelqu'un qui se serait fait couper les mains. Donc il faut certainement éviter de prendre un truc tranchant ou d'être à côté d'un truc tranchant. Allez, on ouvre ça. Nous y sommes, madame. Oh, merci, monsieur. Allez, c'est parti. Ah. Hé, hey, Amy ? Ouais. Mmh. M'a demandé de se détendre. Se calmer. Bah de toute façon, se détendre, de se calmer, c'est un petit peu la même chose. Enfin, je pense. On va faire ça. Je crois qu'on devrait commencer à profiter du week-end maintenant. Ah, allez, ben voilà. On efface tout. Oh. Pas de dispute, ni de Mike ou de Jazz, juste toi et moi qui profitons ensemble de la nature. Oh, genre au naturel. Exactement. Ça me plaît bien. Ça, c'est pas mal. Par contre, je vais te regarder ce qu'il y a ici. Regarde un petit peu le paysage, hein, comme ça, genre... C'est jamais qu'il y ait quelque chose. On n'y voit pas grand-chose. Ça va. Tant que c'est pas un screamer. Mais non, je veux pas. Mais non. Je veux sprinter, moi, je veux pas. Voilà, merci. Allez, on avance. On avance, on avance, on avance. C'est quoi ça? Ok. Ceci est totalement normal. Viens par là. Si ça tombe, ouais, on doit quand même continuer notre chemin, donc on devrait quand même la suivre. Enfin, t'essayes par cette approche-là, je sais pas. Trouver un point plus intime. Bah, viens voir par toi-même. Eh ben non. On va bouffer du kebab. C'est bien. Matt. Oui, quoi? Que se passe-t-il? Ouais. Merci de m'aider pour mon sac. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Oh non. No problème. Ah oh, mais me vanter. On va pas se foutre de sa gueule non plus. Négocier. On va lui dire qu'il n'y a pas de problème, hein, au pire. No problemo, bébé. Mais rappelle-toi bien que je suis plus qu'un porteur de bagages extrêmement sexy, musclé et viril.
Tu comptes me le prouver ? Toute la journée. Quoi ? Toute la journée. Attends, ça veut dire quoi ? Bah, toute la journée. Bah, juste d'être sexy. Bah, c'est raté, mon gars. Oula. Oula. Quelque chose nous observe, là. Eh, c'est pas juste, elle va plus vite que moi. Ah, c'est là où on doit aller, je pense. Oh, ce paysage est magnifique. Waouh. Ouais. Et c'est tellement cool d'être avec toi, monsieur Muscle. Ah, oh, j'ai pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau, tu sais. En tout cas, assez pour être avec moi. Voyons un peu ces muscles. T'as déjà fait ça à l'extérieur ? À l'extérieur de quoi ? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. C'est pas assez spacieux ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un petit peu fouillé, hein. Tu sais quoi? Peut-être qu'on peut trouver un meilleur coin. Quand tu dis coin, tu veux parler du coin G? Il y a plein d'autres endroits ici. J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Comme un gentleman. Allez, viens, on va chercher. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais, vous regarder, je voulais regarder ça avant un truc en dessous de la neige. Allez. Y'a quoi de si important dans le sac ? Oh, c'est juste mes culottes. Celles en dentelle. Impatient. Non, non, non. Ouais, et dans tous les cas, faut pas faire le pressé. Voilà. Bon, pas besoin. Tu veux pas que je les essaie devant toi ? De toute façon, je vais les arracher. Peut-être que moi, je vais les porter. Okay. Ça me rend d'humeur, coquine. Allons les chercher. Ouh, nous avons des escaliers. What ? Une croix de Jésus. Et on doit aller où exactement? On doit aller ici? Peut-être ici. Quoi qu'il y a? On doit aller là? Regarde un peu la bouche de ce truc. Pas capable de mettre ta main dedans. Vaudrait mieux. Oh, les dents. La mettre juste ici. On la secours. Emily ! Je t'ai eu, grosse tache. Putain, t'es ridicule. Oh, ça va. C'était quoi ? Je sais pas. Sûrement une bête. J'aime pas ça. Oh là là. Un truc là-bas. Nous y sommes, madame. Merci. Eh ben, très impressionnant. Et c'est terminé. On verra ça pour la prochaine fois, les gens. Comme je vous l'ai promis, je vais continuer les épisodes d'Until Dawn. Et j'ai hâte de savoir la suite. Alors, merci à tous d'être toujours là sur ma chaîne. Ça fait plaisir. Et le best-of, j'espère que vous... j'espère que le best-of vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager ma chaîne à YouTube aussi comme mon contenu, ça me fera hyper plaisir. On se retrouve pour la prochaine fois. Salut tout le monde !